Je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête. Quoi ? En essayant de te sauver la vie ? Non, ce n'est pas ça. Je t'ai dit de ne pas te mettre sur mon chemin, et te voilà encore. Et maintenant ? Je suis prisonnière en attendant d'être tuée. Tu as tout deviné. À moins que je change d'avis et que je vienne te tuer tout de suite. Mais avant cela, dis-moi ce que tu sais. Je croyais que tes adeptes te disaient tout. Apparemment, tu es de leur côté, mais ils ne sont pas du tien. Tu crois qu'ils se servent de moi ? Alors prouve-le. Montre-moi que je suis dans le mauvais camp. Je te mets au défi. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Tout ce que tu prétends être vrai. Mais ensuite, je te tuerai. Pourquoi m'a-t-on abandonné cette nuit-là sur la montagne ? Demande à ceux qui veulent ma mort. Qui te traite comme un prétendu dieu ? Tu oses insulter ceux qui m'ont évité la mort ? Ce sont eux qui t'ont précipité de cette falaise. Je leur ai offert la victoire ! Ils se débarrasseraient de leur champion ? Malaka ! Il se sert de toi. Tu ne serais pas ici, avec moi, si tu pensais que le culte te dit toute la vérité. La vérité, c'est que s'il ne cherchait qu'un soldat, il avait l'embarras du choix. C'est moi qu'il veut, et seulement moi. Il veut le contrôle. Surtout, sur le peuple, Athènes. Rien ne l'arrêtera. En effet, compte sur moi. J'y veillerai. Et il ne me contrôlera pas. Je gagne cette guerre pour lui. À quel prix ? Peu importe le prix. Deimos, nous avons cherché partout, et tu es là. Dans ce cachot. J'ai entendu des cris. Ce n'est rien. Pars. Sur le champ. Tu n'avais pas à venir ici, mon garçon. Je ne suis pas ton pantin. Et tu n'es pas mon maître. Bien sûr, champion. Pardon pour ce manque de considération. C'est par ta faute que tu t'es retrouvé ici. Je n'en ai aucun souvenir. Comprends que c'est pour le bien d'Athènes, Cassandra. Périclès aurait causé la perte de toute la ville. Le peuple vivait dans la misère. Alors, tu l'as fait tuer ? Il faut casser plusieurs œufs de caille pour trouver le plus beau jaune. Il nuisait à la cité. Faire tuer tes adversaires en dit long sur ta nature de chef. Oh, je n'en suis qu'à mes débuts. Dommage, tu ne verras pas la suite. Entre dans la cellule. Tu es venu me tuer, n'est-ce pas ? Voyons ce que tu sais faire. Malheureusement pour moi, j'ai d'autres incendies à éteindre. J'ai entendu parler d'une révolte. Déjà ? Ça n'a pas tardé. J'ai une solution. Les morts ne peuvent pas se révolter. Je te vois mal tenir tête à une bande de rebelles, si tu refuses d'affronter celle que tu as devant toi. La décision ne m'appartient pas. Elle est le fruit d'un vote. Je te l'ai dit, le peuple m'a accordé sa bénédiction. Je mets en œuvre son pouvoir. Ce n'est pas ça, la démocratie. Le peuple a choisi sa destinée, Cassandra. Il m'a choisi. Crève ! Je n'ai rien ordonné. Le peuple d'Athènes a parlé sans que je lève le petit doigt. C'est comme ça qu'on mate une révolte. Il ne sait pas à quoi il a consenti. Le culte a gagné, Cassandra. Bon, je dois aller m'occuper du bateau qui vogue vers Mytilène. La population va avoir une belle surprise.